Ich heiße Daniel Schäffer und studiere hier in Buenos Aires einen binationalen Masterstudiengang. Eu me chamo Stephanie, estou estudando cinema documentário aqui em Buenos Aires. Yo me llamo Sara Char, soy de la Ciudad de México y estoy aquí haciendo un intercambio académico. Je m'appelle Alice, j'ai 22 ans. Je suis venue ici pour étudier en échange, en programme d'échange. Me llamo Juan, soy de Barcelona. Estoy acá estudiando una maestría en políticas sociales. My name is Nick, I'm from Minneapolis, Minnesota. I'm studying Spanish. Je m'appelle Kevin, j'ai 25 ans, je viens d'Aix-en-Provence. Je travaille ici à Buenos Aires dans l'événementiel gastronomique. Ce que j'aime de Buenos Aires, c'est tout d'abord sa facilité pour se déplacer en vélo. J'aime beaucoup me balader en vélo ou simplement profiter de la ville pour aller jusqu'au travail en vélo. Je suis arrivé en fait à Buenos Aires il y a maintenant un an et demi, quand je suis venu en stage pour ma fête master. Alors je suis rentré en France et j'ai pu faire mon PVT et je suis reparti en Argentine pour un an pour découvrir le pays. Ce que j'aime aussi de la ville, c'est toute son offre gastronomique. Il y a un éventail assez énorme de restaurants, d'offres culinaires. Et c'est toujours intéressant de découvrir de nouveaux restaurants entre amis. Sempre gostei muito do cinema argentino e acho que tem muitas oportunidades, tanto no cinema quanto culturais, então achei que era uma boa vir pra cá. Logo quando eu cheguei, eu tive um trabalho de vender uns passeios no Caminito e aí eu ficava o dia inteiro, observava sempre o que estava rolando e me chamou muita atenção. Essa mulher que ela agarrava os turistas assim, tirava foto. Chicos, bienvenidos a Caminito, como les va? Una foto de tango para llevarse de recuerdo. Me aproximar dela e tal, e aí surgiu a ideia de fazer um documentário sendo ela a personagem. Eu hago de cuenta que vos no estás. Sí, es esto. Para os meus amigos eu falo, passar um tempo aqui acho que é muito inspirador, assim. Vou tirar uma hermosa foto de tango. Casados, namorados. Casados. Es una mezcla de muchas cosas el por qué estoy aquí. Desde hace mucho tiempo había querido estudiar en una universidad tan buena como la UBA. Tienen un nivel de exigencia que a mí me dio muchísima estructura y no sé, eso lo valoro mucho. ¿Y entregaste todo? ¿Todos los textos? Sí, sí, sí. ¿Tú? Buenos Aires es una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Exposiciones gratis. Conciertos, teatro, un centro cultural en cada esquina. I love Buenos Aires. I love the architecture, the buildings, the food. I love the nightlife of Buenos Aires. It's very different than my home state. Everything starts much later. Dinner starts later. Going to the bar starts later. Everything is later. I've seen things that I personally don't have in my home state and that I want to come back and continue to do. Elegí Buenos Aires porque la oferta académica que había me parecía muy atractiva y que la comida está buena, que son dos cosas que me importan bastante. Trabajo en un local de comida suiza en el mercado de San Telmo. El ambiente es muy ameno, disfruto de eso, del contexto, del ambiente y de los compañeros de laburo. Cuando tengo un ratito libre con mi compañero de departamento, Jordi, bueno, lo disfrutamos tocando la guitarra juntos, un poquito de rumba, un poco de flamenco, y así se pasan los días, laburando, estudiando, tocando la guitarra, saliendo un poco, y rápidamente uno encuentra su espacio. Vraiment, moi, ce que j'aime de Buenos Aires, c'est déjà toute l'ambiance un peu humaine, que tous les gens, ils sont vraiment avenants, ils sont gentils, ils ont envie de savoir un peu plus sur toi.
Gracias. Que quand je vais chercher un fruit, bah les gens ils me reconnaissent, ils me disent ah c'est la française, est-ce que t'as besoin de quelque chose? Je suis en train de travailler dans une fondation qui s'appelle Eidos. C'est une fondation qui fait de l'éducation innovative. Moi je suis dans l'équipe communication, donc je m'occupe énormément du contenu, de créer des contenus pour le site web et les réseaux sociaux. Moi aujourd'hui mon projet c'est de créer Eidos en France, je vais essayer de le créer à Strasbourg. An Buenos Aires gefallen mir am besten die Porteños. Die sind sehr freundlich und offen. Und was mir auch sehr gefällt, ist, dass es hier sehr viele sportliche Möglichkeiten gibt. Man kann hier sehr viel Fußball spielen. Die Argentinier leben wirklich den Fußball. Das machen die Deutschen auch, aber es ist trotzdem noch mal was anderes und die lateinamerikanische Atmosphäre, die spürt man hier auch. Man muss einfach hier hinkommen, das selbst erleben. Man kann viel erzählen, aber mit den eigenen Augen ist es dann immer noch mal besser.